Alors, je m'appelle Guillaume Rosier et ces derniers mois, j'ai développé plusieurs projets. Le premier, c'est Covid Tracker, qui est donc une plateforme qui permet de suivre l'épidémie, de comprendre comment évolue l'épidémie, dans quel département, dans quel territoire. Ensuite, on a développé d'autres projets autour de Covid Tracker, d'autres outils, comme par exemple Vaccin Tracker, qui permet de suivre la campagne de vaccination en France. Et puis Vite Ma Dose, évidemment, qui permet de trouver une dose de vaccin, un créneau de vaccination, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc on agrège toutes les plateformes de réservation et donc on a un point d'entrée unique pour trouver un créneau de vaccination. Notre objectif, c'était être utile et donc c'est de faire des outils qui permettent de mieux comprendre l'épidémie pour mieux lutter contre l'épidémie. Et c'est donc aussi de faire des outils qui permettent de trouver une dose de vaccin plus facilement, plus rapidement, d'optimiser la campagne de vaccination et donc d'en terminer plus rapidement avec l'épidémie. Aujourd'hui, ces projets, c'est environ 150 contributeurs, 150 bénévoles qui participent à ces projets. Tout le code est en open source, donc chacun peut consulter le code et contribuer, améliorer, proposer des améliorations au code. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi de voir toute cette énergie qui va vraiment dans le sens de l'aide aux autres citoyens, aux concitoyens. Et c'est un grand plaisir pour nous d'avoir développé toutes ces initiatives. Alors, pour moi, le cloud, en trois mots, c'est stockage, calcul et flexibilité. Le cloud, ça permet de stocker des données en quantité, en très grande quantité. Ça permet de faire des calculs très puissants sur ces données et tout ça avec une grande flexibilité, une grande agilité, ce qu'on ne pourrait pas faire par exemple si on achète un serveur et qu'on le met chez nous. Et donc ça permet vraiment de déployer des applications très rapidement avec des cas d'usage très concrets, très puissants et d'une manière hyper flexible. Et donc on peut avoir accès à une puissance de calcul absolument incroyable et des quantités de stockage absolument incroyables. Et donc je pense que c'est vraiment un des outils les plus importants pour la technologie, pour les futures années et dans tous les domaines, par exemple dans la santé, vraiment dans plein de domaines. Alors aujourd'hui, quasiment toutes les applications et toutes les entreprises numériques collectent des données. C'est absolument nécessaire pour réaliser leurs produits ou leurs services. Ces données-là, moi je considère que le respect de la vie privée, ça doit être un droit humain fondamental. Donc évidemment, pour respecter la vie privée, il faut d'abord collecter uniquement les données qui sont nécessaires. Mais le deuxième levier, c'est de stocker ces données sur le territoire français et de le stocker chez des acteurs et des entreprises dans des clouds qui sont aussi français. Ça nous permettra à long terme vraiment de conserver la maîtrise sur ces données et de pérenniser le développement de solutions autour de ces données tout en gardant vraiment le contrôle de l'ensemble des services et de l'ensemble des produits en France. Pourquoi on a choisi OVH Cloud, Covid Tracker et Vite Ma Dose? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un acteur français et pour nous c'était hyper important de choisir une entreprise française qui en plus stocke ses données en France et donc ça fait travailler tout l'écosystème français. Ça permet aussi de respecter la souveraineté des données puisque ces données sont stockées en France et donc on les maîtrise. On sait qu'on les maîtrisera à moyen terme et à long terme. Et aussi évidemment parce que OVH propose des super services. Ça nous a permis de déployer des applications très rapidement, très facilement et pour des coûts qui étaient très, très restreints. C'était très important pour nous aussi, hein, parce qu'au début, on avait très, 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 très peu de financement. On était obligé de payer de notre poche. Donc, c'est important de faire des choses puissantes à des coûts qui sont très faibles, tout en respectant la souveraineté des données. Demain, avec grand plaisir. Alors moi, j'ai aucune idée de ce que je ferai demain, après-demain, dans 6 mois, dans 2 ans. Tout ce que je sais, c'est que ça va être dans la tech. Il y a tellement de magnifiques choses à faire dans la tech. Je pense qu'il y a beaucoup de matière à entreprendre. Et puis, surtout dans l'écosystème français, qui est un des plus attractifs au monde dans la tech, peut-être même le plus attractif en Europe. Et donc, je pense qu'on a des très, très belles choses à faire ensemble dans les prochaines années.